سي موريس كان اتصل بيا وهضرنا على المشروع وبدينا في 2018 مشينا درنا بعض العروض ميلودي ملحنة اللي كان ندخلوا بعد منها لواحد لو تيم اندلسي كان هذا هو الفكره اللي بغينا نديرو وان شاء الله ناويين نعرضوها باش تكون موجوده في سبوتيفاي قريبا قريب جدا و هادشي اللي كاين كنتمنوا ان شاء الله المشروع يعجبكم au Maroc. Donc parle un petit peu de ton parcours et du style musical que tu as développé. Je dis la guitare, tu sais que la guitare est arabe. Quand la guitare est arabe, tu considères que la guitare est arabe. Il y a un autre sujet qui est le quart. عاده الكار دو طون باش كيتعزف لا غيتار نورمالمون الناس كيضطروا يقسموا داك لا مواتي ديال لو ان دومي طون النصف كيقسموه بجوج باش كيعطي يعني ربع ولكن ملي كنبغيو نحللو مزيان انه الربع نقط ديال اللي في العربي كيختلف من مقام لمقام يعني الربع ديال واحد المقام ديال الراس ماشي هو الربع ديال السيكا ماشي هو ديال البياتي فبصراحة أنا ما قنعنيش هذيك الفكرة ما قنعتنيش ودرت واحد البحث خدا لي تقريبا شي سنة باش لقيت واحد الطريقة باش كنعزف الربع نقط قريب بزاف للحقيقة ديالو فهذه من ضمن المسائل اللي زدنا في الجيتار وحاجة أخرى كنحاول مع أنا درست الكمان درست آلة الكمان في المعهد وكنحاول ناخذ بعض التقنيات ديال الكمان كنستعملها في البلوز درنا ألبوم جديد سميناه سلطاني هذا ألبوم عبارة على ألحان جديدة داخل فيها مقاطع أندلسية هذا علاش سميناه سلطاني والهدف هو هذا هو أننا نجيو الأغنية المغربية وكيبقى طابع دائما مغربي 100% وهذا الألبوم إن شاء الله غيتوزع في سبوتيفاي قريبا جدا Ça fait 5 ans que le groupe existe et quasiment tous les morceaux ont été rodés sur la scène pendant 5 ans. On a fait plusieurs spectacles à Casablanca, de l'ordre d'une dizaine, et au fur et à mesure, les morceaux ont commencé à vivre. Alors, on essaie de rester dans la tradition marocaine. Et aujourd'hui, si on veut faire un produit traditionnel, il y a des éléments qu'on doit éviter. Ça veut dire que par exemple, on a refusé de mettre un clavier parce que le clavier nous amène dans une direction tonale qui est complètement différente. On n'a pas voulu non plus faire beaucoup d'éditions. Ça veut dire qu'on a enregistré, qu'on a réenregistré les morceaux qu'on écoute, qui sont dans l'album et qu'on écoute depuis tout à l'heure, quelquefois ont été enregistrés en une seule piste, ce qu'on appelle à l'époque le two-track, donc les deux pistes à l'ancienne. Ça permet en fait de retrouver le rock de ce qu'ont fait les pionniers des instrumentistes marocains des 50 et 60. Voilà. Alors le projet de musique traditionnelle marocaine, c'est un projet, en fait, il y a toujours eu des gens qui faisaient de l'instrumental. Les gens l'oublient. Il n'y a pas que des gens qui chantent. Il y a eu plusieurs groupes qui faisaient que des musiques instrumentales régulièrement et qui travaillaient très très bien. Après, c'est vrai que c'est par le style un petit peu périclité qu'il y a eu moins de gens qui l'ont fait parce que ce n'était pas très rentable, en fait, et que le public n'était pas vraiment là. Maintenant, avec Ahmed, il y a 5 ans, on a décidé de refaire de l'instrumentation. Lui, il a joué avec quasiment tous les chanteurs marocains. Donc, on va pas parler, on peut pas citer un artiste chanteur qui n'a pas eu au moins une fois dans son orchestre Ahmed Gandouz qui a joué, ou Driss Nigra, ou Abd Samad, ou Abdelhaj Akachour. Donc, automatiquement, si on a fait ce choix-là, c'est parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un petit vide et que c'est ce qu'on voulait faire. Donc, plutôt que de travailler avec d'autres chanteurs, on a plutôt décidé de faire des instrumentaux. Alors on a choisi le répertoire des traditionnels marocains parce que c'est très très vaste, il y a beaucoup de choses à faire. On a du travail pour les 20 ans à venir quasiment pour dépoussiérer le patrimoine et le réactualiser. Et c'est ce que j'expliquais, aujourd'hui si on fait de la musique et que personne n'écoute, c'est frustrant pour tout le monde. On parle même pas de rentabilité financière, on parle du plaisir de produire quelque chose et d'avoir des gens qui les écoutent. C'est pour ça qu'on a choisi de profiter de la vague du streaming et de pousser. Et nous, on pousse beaucoup Spotify parce que c'est le plus grand marché aujourd'hui de l'écoute mondiale. Il y a 1,4 milliard de personnes qui sont abonnées à Spotify. C'est énorme, c'est pratiquement un quart de l'humanité. Et au Maroc, on n'a que 36 millions d'habitants. Vous vous rendez compte de l'impact
de la multiplication que ça fait. Alors, il y a d'autres plateformes qui le font. Il faut savoir que les autres plateformes sont beaucoup plus segmentaires. Apple Music, par exemple, est très limité aux États-Unis. Et ils ont un modèle plutôt de vente plutôt que de partage. Et Spotify, ce sont des gens qui font découvrir la musique. Et la world music est en train un terrain, on va dire, qui est beaucoup plus fertile sur Spotify que sur d'autres. Ne pas abonner à la chaîne et activer le jarras pour recevoir les dernières vidéos de Bellpress et partager avec vos amis.